Mais du coup, j'ai pas bien fait. Bon, 7 novembre 2038. Bah, de toute façon, dans les premières runs, on arrivera genre un peu. Enfin, c'est pas tout le temps. On croit que ça va être bien fait dès le départ, mais en fait, faut le faire plusieurs fois en fait. Pour arriver à faire un bon scénario. Donc là, on est encore avec Kara. Destination. Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Ok. Il fait il neige, d'accord. Voiture. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Bah tu m'étonnes. Je l'ai vu un jour dans le garage. Ça aurait dû être compliqué. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Ok, derrière, ok. Distance. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. 1 heure? Ah voilà, bah ça y est. Forcément, il fallait qu'il y ait un petit problème. Ce n'est pas bon signe. Forcément. What the fuck, c'est stylé ça. Mon chat il tourne. Donc on va inspecter ce qui s'est passé quand une panne. Ça fait très voiture japonaise. Le design, hein. Vraiment, ça fait très voiture carrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. Alors. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car. J'ai trouvé un abri encore. Ok. Ah, peut-être là-bas. Ah, c'est. Ah. C'est rouge encore, putain. Je pensais que je pouvais aller là-bas. Si je vais là-bas, je pense. Genre, je trouve un truc. Une petite flèche, ok. Mince, je me trompe à chaque fois de bouton. Pirate, amusement park, ok, un petit parc, attraction. Paumé. Par là-bas. C'est assez glauque, hein. C'est assez glauque. Ah, du coup, on a pris Alice. Film d'horreur quoi. Pirate Cove. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Du coup, on doit trouver un abri. Cet endroit a l'air abandonné. Encore. Depuis un bout de temps. Toujours. Toujours plus. Il y a quoi là? Tu vois quelque chose? Structure endommagée, dangereuse. Nulle part où passer la nuit. Ah, pas par là, a priori. Quoi ici? Ouais non mais là ça va être ouais non c'est trop de vent pour Alice. Bah oui forcément. après le bar à un mécanophile, le parc d'attractions abandonné. Ouais non mais ouais mais y a tout hein. Y a tout dans Detroit Become Human. Ouais, il fait bader lui. Y a quoi là dedans là? Cet endroit tombe en ruine. Faut trouver un on va avoir du mal à trouver un abri. Même si c'est en ruine, je pense qu'on peut trouver un abri. Ah, cette maison peut-être. Alors peut-être.
Alors peut-être cette maison. Peut-être faire le tour, je pense. En tout cas, je m'y aventurerai pas tout seul. Hein. Dans un vrai truc. Dans la vraie vie. L'intérieur a l'air sûr, ouais. Ça a l'air propre. Pas propre. Ça a l'air. Ça a l'air pas mal en termes de sûreté. Oh. Je vais le faire. Il va tout casser. Et voilà. Headshot. Je dois qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. S'installer pour la nuit, préparer un lit, regarder. Le terre. Est-ce que le son est toujours bon? Je pense que oui. Il y a plein de trucs. Trop d'informations en vrai. Trop today. Alors, y'a quoi? Regardez dehors, ok. On va pas allumer. Faut peut-être allumer un feu, je pense. Ah, ils disent quoi? Préparer un lit pour Alice, regardez dans le sac de Luther, ok. Je vais faire le feu ici. C'est quoi que je prends là? Comme ça. Qu'on va ramener Alice puisque la caméra est dirigée sur elle forcément. Ah mais elle a déjà fait un feu. On va préparer le lit. Alice? Ah d'accord, bah c'est barré. Regarde dans le sac de Luther. On va parler à Alice d'abord. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Sincère? Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait partie d'une famille. Peut-être en créer une ensemble. Et être heureuse à nous. Toujours être sincère. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Ah voilà. Allez. Allez, viens te coucher. Regardez dans le sac de Luther, nanana. Ouvrir. Proposer un gâteau, examiner l'arme. Proposer un gâteau. On va proposer un gâteau. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. T'as l'impression qu'ils n'ont pas mangé depuis 10 ans. Pourquoi il a pris une arme? Il est fou. Ils vont le tuer ou quoi? Encore une affichette. On dirait qu'on est dans un truc fantôme. Mais pourquoi il disait que c'était ouvert là? Pas compris. Il y a quoi là?
Lire. Ah ouais, mais c'est encore un truc, putain. On sait pas pourquoi il y a des trucs qui sont là, au pif. Ok. Allez, on va s'agenouiller. Rassurer, consoler, demain, consoler. Je sais que la journée a été rude, mais... Essaie de dormir un peu. Tout aura l'air moins sinistre demain. Tu peux me raconter une histoire, Kara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir bah voilà. Trouver une. Princesse... licorne. On va mettre une licorne. Licorne. Non, pas une histoire comme ça. Ah bon ? Tu peux en inventer une ? Ah d'accord. Il était une fois une petite fille qui... Qui était seule. En fait. Qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. J'ai peut-être... Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... Mais impossible, mais différente. Elle était différente. Je sais pas, j'ai biffé. Et ça la rendait très triste. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Qu'elle rencontra un robot fille. Un robot fille. Qui était perdu. Qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre en paix, tout simplement. Un endroit où elles seraient en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Elles étaient courageuses. Mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... Un gardien. Un autre robot, qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire ? Une fin morale. Putain, une fin heureuse, on va mettre. Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Oh bah oui. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Mais si. Faut être pessimiste comme ça. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. C'est vrai que si on est toujours pessimiste. On va dire bonne nuit. Ça va être le problème. Oui. Faut être toujours positif hein, dans la vie, hein, forcément. Si vous regardez trop la vie devant vous, vous voyez qu'elle est bien sûr désastreuse. Mais au final, il faut prendre toujours le bon côté des choses. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Bon voilà, parler à Luther. On va lui parler. On va aller lui parler. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Plan, passer de Luther. D'ailleurs, on a encore oublié de débloquer un truc. Rassembler ta vie avant Zlatko. Non. Au jour 2020, il faut toujours tout prendre positif bon, dans la vie. Bah oui, bah oui, toujours. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment. Mais ouais, si... Il neige encore. Forcément. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être négatif. Kara... Si vous êtes trop négatif, vous allez vous... Tu n'as jamais rien... Tomber dans un truc qui est pas fou. Chez Alice. Je sais pas ce qu'il a dit. Si, oui. Bien sûr. Oui. Je sais plus ce qu'il a dit. C'est une petite fille formidable. Mais oui. Oui. Enfin, je connais pas beaucoup de petites filles. Mais je pense qu'elle est vraiment spéciale. Ah, le dire est content. Oh putain.
C'est le bordel, ça y est. Il y a de l'action. Les robots se pètent un plomb. Ça y est. Au secours. Protéger Alice. C'est des fachos. Alors je prends l'arme. Je prends Alice. Ok. Je sais pas si j'ai bien fait. Tirer en l'air. Bon. Stop ! N'avancez pas où je tire ! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Bah, j'espère. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire... Ça me fait penser un peu à un épisode de South Park. Pardon de vous avoir fait peur. Dans la dernière saison. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Ah oui, ils travaillent. Ils travaillent dans ce truc, donc du coup, ils sont plutôt contents de voir des... Elle a l'air triste. Un enfant. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Tom et Jerry ? Je crois que tu n'as pas le choix. Donc on va devoir les suivre. Viens, Kara. Bah, suivons-les. Bon, ça va, ils sont gentils. Je pense que c'est des monstres. Et non, pas du tout. Ce ne sont que juste des robots, des anciens travailleurs. Bienvenue. Réactiver le manège. On peut réactiver le manège. Bah, go le réactiver. Hein. Le manège. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Donc on va la faire monter dessus sur l'hippocampe. Voilà. En soi, je pense pas qu'ils veulent du mal hein, là, ces robots. C'est intelligence artificielle ultra poussée. Bon, forcément, toujours le problème entre est-ce que les robots doivent être avec nous ou pas. Toujours cette question-là. Hein. Comme tout, positif et négatif, forcément. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Donc même eux, ils sont contents. Sortez les mouchoirs. Sortez les mouchoirs. Tout le monde, il est content. Pour le moment. Après, qu'est-ce qu'il en est des médias ? Pas le bordel. Ce qu'on a vu à la télé du machin. C'est le bordel. Alors, je suis sûr qu'on a encore loupé plein de trucs. Alors, je crois que justement, prendre un tison dans le feu, protéger Alice, éteindre le feu, menacer, interroger, repousser. Les attaquants sont des Jerry. Ah, mais d'accord, il y avait que ça. D'accord. Il n'y avait que ça. Lire un groupe d'androïdes à nominer. Ah, oui, bon, on a encore loupé plein de trucs, mais bon, ça, c'est. Faut refaire tout le temps le. Enfin, faut refaire le jeu. Comme tous les jeux de David Cage, hein, forcément. On peut voir les stats. Pourcentage de tout le monde, etc. C'est pas mal. 7 novembre 2038. Instabilité logicielle. Bon, on n'avait pas réussi, hein. Malheureusement. Là, on va voir Amanda, je suppose. À moins que. Oh là, le truc, il a pété un plomb. Century. Le mystère Kamsky.
Ouais, bon après, ça c'est trop long, il y a trop de trucs. On peut pas. Debriefing avec Hawks. Ah, il est là-bas. Hawks est là-bas. Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Question, arrêtez de boire avant rentrer. Question personnelle. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant d'ailleurs, de questions discrètes ? On entend la PS4 qui pète un plomb. Hein. Photo. J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. Ah non, j'aurais pas dû. C'était votre fils. J'aurais pas dû. Ouais. Il s'appelait Cole. J'aurais peut-être pas dû lui dire ça. Avant. Avant quoi ? Vous avez dit je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant rien. Je veux pas le dire. Bon après c'est compliqué. Là on est dans une phase toujours très compliquée. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents. À chaque fois j'ai toujours fail hein, sur les trucs là. À des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Alors, RA9. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. Noob Master, je passe dire bonjour, mais je peux pas rester. Ok, bah y'a pas de soucis, Noob Master. C'est sympa. Bah bonjour à toi, comment ça va ? Inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit ? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Sinon, The Tropic Human, c'est un jeu incroyable. Ah oui, mais vraiment, c'est vrai que c'est vraiment un jeu incroyable. Ça nous pose plein de questions, c'est pas mal. On trouve la fille qui a tué ce gars. Elle avait peut-être une raison. Ok, bah, peut-être c'est cool. Qu'elle ne cherchait qu'à se défendre. Tant mieux si ça va bien. Insensible, ironique, rationnel. Rationnel. Elle ne voulait rien, lieutenant. Bon, le truc de The Tropic Human, c'est qu'il faut refaire le jeu des milliards de fois pour comprendre le truc. Et faire tous les trucs à 100%. D'humain. Mais t'es quoi exactement ? Insensible. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Oh non, j'aurais pas dû dire ça. Tes yeux au fond, c'est ta misérable enquête. Pas de doute. Ah mais problème c'est que pas je fais. Le problème c'est que je pensais pas qu'il allait dire ça. Ça compliqué. Un être humain, tout comme moi. J'ai pas vu en moi. Non, pas cynique. Compréhensif. Rien ne compte plus à mes yeux que de résoudre cette affaire. Mais je comprendrais que vous ayez un point de vue différent. Je pense qu'on va faire ça. Oh, the fuck. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Du fou. Pas vivant. Non. Pourquoi devrais-je avoir peur ? J'ai mis non, j'aurais dû mettre oui. Si je sais pas. Oh putain. Je sais pas, je suis perdu. C'est compliqué. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Défi. Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Vous essayez juste de provoquer une réaction. Je défie. Vous allez être déçu, j'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit. Ah, j'aurais pas dû faire ça, quel enfer. Toujours une longueur d'avance. Éclaire-moi un peu, Einstein. C'est que je veux pas. C'est que je veux bien être ami avec lui, je veux pas le. Savoir si l'offenser. Pas un défiant. Et les choix que je fais, c'est pas forcément les bons. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Dévoyage du chemin. Où allez-vous ? Du chemin ? Me mettre une mine. Besoin de réfléchir. Déverrouillage du chemin, qu'est-ce que c'est que ça ? Déverrouiller un chemin ?
C'est bizarre. Hank s'est apaisé, caché sa peur. C'était court comme chapitre, ça.